Bonjour tout le monde et bienvenue à InfoCam Extra. Cette semaine, on a trois invités super intéressants. D'ailleurs, on va commencer avec la première, Catherine Marco-Richard, qui a débuté euh, des cours d'entraînement en fait au Centre dynamique de Saint-Pascal. exact. Bonjour. Bonjour Catherine, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Écoute, veux-tu nous parler un peu de, ben, de, du projet, là, des cours que tu donnes? Euh, oui, certainement. Donc euh, moi... Euh... En janvier, j'ai été approchée par la propriétaire du Centre euh, Dynamique de Saint-Pascal ouais. euh, à savoir si j'étais intéressée à donner des cours d'entraînement euh, de groupe. Donc, euh, puis étant donné que je n'avais jamais fait ça, mais que je m'entraîne depuis quand même longtemps, puis que je, je suis vraiment sociale, je me suis dit que ça pourrait être un beau défi pour euh, moi et euh, les personnes qui allaient s'inscrire à mon cours. Donc, ouais. euh, c'est ça. J'ai accepté le, le, le défi, finalement. Et euh, pis là, je... ça fait environ une semaine que vous avez commencé. Ouais. Euh, Puis c'est quel genre de cours de groupe, quel genre d'activité, en fait, on peut faire? Euh, dans le fond, j'avais comme la liberté de choisir le style de cours que je voulais donner. Puis étant donné que moi, la, les, 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 la méthode d'entraînement que j'ai utilisée là, depuis les trois dernières années pour m'entraîner, c'est euh, les « hit workouts » qu'on appelle. Okay. C'est des entraînements à, haute inter... à intervalles à haute intensité. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est des entraînements qui sont très intenses sur une courte période de temps quand même, mais qui sont super efficaces. Puis, euh, c'est ça. Puis ça là, présentement, euh, tu donnes quoi C'est quatre cours par semaine, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que on peut encore s'inscrire Est-ce qu'on peut encore y participer Comment ça fonctionne de ce côté-là On peut toujours s'inscrire. Les cours ont débuté euh, lundi cette semaine, donc on a un cours le lundi midi de midi 10 à midi 40. Donc c'est parfait là pour euh, sur l'heure du dîner donc, là, si on a un petit. Euh... C'est vraiment des, des 30 minutes intenses dans le fond d'entraînement. là. Euh, ben celui du lundi c'est un 30 minutes, okay. mais les autres dans la semaine c'est une heure. Ok, mais ça reste que le, le temps est réparti là, selon l'heure qu'on a. Là. On n'est pas une heure à travailler <laughs> avec euh, le, le, le cardio dans le fond là, quand même. Mais euh, ouais. donc le lundi, c'est 30 minutes. Le mardi soir à 19h, c'est une heure. Mercredi euh, c'est de 9h30 à 10h30. Et le jeudi soir à 19h aussi. Puis, quand tu parles d'activité à haute intensité, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à faire? As-tu un exemple d'exercice? Oui, bien, dans le fond, euh, c'est ça. Le type d'entraînement de, de, qui est le HIT, c'est vraiment. C'est pas, pas un sport en soi, c'est ouais. vraiment une méthode d'entraînement. Donc, euh, le but, c'est de faire des exercices. Euh, sur un laps de temps donné, souvent moi j'ai un j'ai un timer là avec moi, fait que okay. on peut prendre par exemple euh, 30 secondes d'exercice euh, qu'on est on, on fait l'exercice finalement et on a un 15 minutes euh, 15 secondes de pause pardon okay. donc 30 secondes de travail, 15 secondes de pause puis on va répéter mettons un exercice trois fois souvent de la façon que les cours sont construits c'est que il va avoir le bloc, ça va être plus les quadriceps. Ensuite, les cuisses, jambiers, fesses. Ensuite, on va aller vers le haut du corps et oui. ensuite on va faire la région des abdos. Puis la façon que je construis les cours, c'est que j'aime ça quand c'est dynamique. Donc on va avoir euh, des exercices qui vont être euh, musculaires mais cardio à la fois. Ouais. Fait donc, on, on s'assure d'avoir un, un peu d'entraînement complet en fait. Oui. Étant donné que souvent les participants ça dépend des gens. Il euh, y a des personnes qui ont pris un cours, il y en a qui en ont pris deux. Ouais. Donc, je vais varier mes, mes entraînements pour qu'une personne qui vient deux fois dans la semaine ne fasse pas deux fois le même euh, entraînement. Ce qui est important quand même. Ouais. Puis euh, c'est ça. Sinon, les personnes qui viennent une fois par semaine, c'est vraiment le le. On travaille le corps au complet. Puis on a chaud, on écoute la bonne musique, <laughs> puis on a du fun. Puis là, qui peut s'inscrire? Est-ce que c'est fait pour tout le monde, ce genre d'entraînement-là? Oui, c'est vraiment fait pour tout le monde. J'adapte vraiment mes entraînements au niveau euh, des personnes qui sont présentes au cours. Donc, okay. si dans le même cours, j'ai une personne qui est plus expérimentée, une autre moins, euh, je, je présente tout le temps une alternative à chaque euh, exercice que je fais. Okay. Là. Donc, pour que personne se sente... Euh, poche, excusez-moi l'expression, qu'on oui, oui. s... qu se remette en forme ou qu qu'on soit déjà en forme. Moi, je veux que le cours soit adapté pour tout le monde, hommes, femmes, et euh... C'est ça. Le, le but, c'est de, c'est de, peu importe de où est-ce qu'on part, que le cours il soit adapté à la personne qui vient, qui va être là. Puis je pense que, que tu avais mentionné aussi un peu la, la volonté de, de faire de ces cours-là un peu un safe space, un, un endroit sécuritaire. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de de, de ta démarche de ce côté-là euh, Ben, c'est juste que. Je veux vraiment que personne dans le cours se sente euh, jugé. Mm -hmm. euh, tu sais, des fois, re recommencer à s'entraîner, c'est pas, euh, ça prend du courage. Ouais. C'est pas évident. Euh, Puis on peut être gêné, on peut être intimidé par les autres aussi qui sont autour de nous, qui ont peut-être plus d'expérience. Donc moi, c'est vraiment, euh, je tiens à, à ce que tout le monde se sente super bien, qu'il n'y ait pas de questions. Il y ait pas toutes les questions sont permises. Je suis là vraiment pour tout le monde. Euh, Puis c'est ça, je veux que ce soit un environnement safe où est-ce que les gens se sentent bien. Que, que s'ils ont des questions, c'est comme la question m'est revenue aussi souvent cette semaine. Est-ce que je peux avoir des exercices, des exercices, pour à la maison? Parce que oui. je pense que, tu sais, un, une fois par semaine, c'est bien. Puis si on peut en rajouter un petit peu à la maison pour développer mettons euh, notre, euh, notre mobilité ou notre équilibre ou tu sais les petits trucs qu'on a plus de misère en classe mais ah. moi je vais donner des trucs aussi fait que cette question là m'est revenue qu'est-ce que je peux faire chez nous pour que ça soit peut-être un petit peu plus facile au prochain cours cool. donc euh, c'est ça moi c'est vraiment je veux c'est ça le, le bien-être de tout le monde ne rit pas de personne on on est là pour s'entraider puis on est là pour avoir du plaisir aussi puis dis-moi, ça, ça coûte combien pour s'inscrire à ces cours-là? Euh, C'est 100 dollars par... Cours par semaine, puis après ça il y a un 25% de rabais pour le deuxième cours. Ok. Il y a aussi possibilité parce que tu sais selon, c'est des plages horaires, je, on sait que ça convient pas à tout le monde. Oui. Donc euh, la, le, les personnes euh, du euh, centre sportif euh, dynamique de Saint Pascal permettent mm. de, euh, mettons quelqu'un dit ah moi jeudi j'ai j'ai un trou finalement. Oui. Euh, ben je, je, vous pouvez payer la fois cette fois-là venir payer au, le cours et puis fait faire le cours. C'est 100 à chaque fois que j'y vais, au fond, c'est 100 pour une série de, par exemple, 10 cours le lundi, ou comment ouais, ça fonctionne? C oui, c'est ça. c'est ouais, exact. Dans le fond, c'est 100 pour, euh, euh, mettons, toutes les mardis soirs à 7 heures pour 8 semaines. Pour 8 semaines. Moi, fais 8 semaines parce que c'est ça. C'est le, le deux mois que j'avais de disponible ben pour oui. donner ce cours -là. Ah, super. Puis, ouais. si on veut s'inscrire, on passe par le centre, on passe par toi. Comment ça fonctionne? Euh, Via Facebook, il y a la page Centre dynamique euh, oui. de Saint Pascal. Euh, puis il y a le lien là pour aller chercher le formulaire d'inscription. Euh, sinon, je pense que c'est si vous arrivez sur place, c'est possible de s'arranger aussi là. Juste quelqu'un qui arrive dans le fond qui dit ah j'ai... » « J'ai le temps de le faire, j'y vais. » Oui, exactement. Okay. Payer de la foi ou si, mettons, euh, je sais pas, les gens entendent parler cette semaine que les courses euh, se donnent, ouais. euh, ils veulent s'inscrire la semaine prochaine, il n'y a, a pas de problème non plus. Après cela, on s'arrangera, <laughs> mais je veux dire, on... c'est ça, la beauté aussi mais... de la région, puis qu'on soit un petit peu plus... Euh... Communauté fermée. Ensemble, ben oui, oui. c'est ça. Il y a comme toujours moyen de s'arranger, je pense. quelqu'un... Super. Si quelqu ouais. super. Et écoute, en terminant, si tu avais à convaincre une personne de venir à tes cours, ça serait... Qu'est-ce la phrase que tu dirais là, pour, pour l'inviter, cette personne-là? Que venez, venez vous entraîner avec nous, vous allez vraiment avoir du fun. Puis que peu importe le niveau, là, vous allez vous sentir bien avec nous, puis vous allez arriver à à quelque chose de vraiment génial. <laughs> Super! Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Catherine. Ça fait plaisir. On était très contents de t'avoir à l'émission. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Pour continuer l'émission, on est avec Madame Marie Dallaire, vice-présidente du Club de photo Camlou. Bonjour, Madame Dallaire. Bonjour. Ça va bien? Oui, très oui. Bien, bien. Merci. Merci d'être là. Donc là, vous, vous êtes venue me parler aujourd'hui d'une exposition que vous organisez avec le Club photo. Euh, dans le fond, l'exposition Beauté rurale qui va être à la mosaïque, la bibliothèque de l'apocatière. C'est bien ça? Exactement, oui. oui. C'est une exposition euh, qui a commencé d'abord à Rivière du Loup. C'est une exposition euh, qu'on fait voyager. Okay. Donc là, on l'amène à l'apocatière du 8 février au 5 avril 2023 à la Mosaïque. Parce que, dans le fond, le vernissage, là, il est le 8, le 8 février en formule 5 à 7 à, à la bibliothèque, dans le fond, c'est bien ça? Effectivement, le 8 février, on invite euh, tous les gens intéressés par la photographie <laughs> euh, à venir euh, au vernissage. Il y a 22 exposants du Club Photo, oh oh. 36 photos euh, de la région. Nous couvrons les territoires là, de la MRC de Kamouraska et MRC de Rivière-du-Loup. Alors, ce sont des photos qui témoignent de la beauté de, de, de la, nos régions. De vos vraiment. régions. Donc, vo votre sujet principal, c'est carrément les régions là, Kamouraska et Rivière-du-Loup, c'est ça? Oui. oui. C'est beauté rurale par opposition, si vous voulez, à beauté urbaine. Oui. C'est qu'on voulait redécouvrir, se réapproprier, si vous voulez, nos, notre territoire. Bien oui et euh, que ce soit au niveau des paysages, au niveau des lieux de villégiature, de la faune, de la flore, euh, patrimoine bâti. Euh, donc, c'est un spectacle photographique finalement qu'on vous convient. Puis est-ce que euh, quand vous organisez des expositions comme ça, est-ce que c'est toujours à, à thématique sur le territoire, justement, ou, ou comme, comment vous vous organisez? Pas nécessairement. Okay. On procède normalement par un, un vote auprès des membres, oui. c'est-à-dire on demande aux membres de faire des suggestions de thèmes d'exposition, et par la suite, il y a un vote. Et euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ce n'est pas nécessairement par rapport au, au territoire comme tel. Je peux déjà vous dévoiler ou vous faire un scoop que Bien notre oui. prochaine exposition, le thème sera transparence. Okay. Alors, voyons, on s'en va complètement ailleurs. Ben oui, vraiment. Puis, puis cette, cette exposition-là, Beauté rurale, justement, qui est à la bibliothèque, euh, à la mosaïque, elle, elle s'adresse à qui? À toute la famille? À, aux amateurs de photos? Ça s'adresse à, à tous les, les, les citoyens, je vous dirais, de, oui. des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, oui. puisqu'on a des, des, des photos qui ont été prises, euh, euh, par exemple, à Rivière-Ouel, à Rivière-du-Loup, oui. euh, à Kamouraska. Donc, on, ça touche tout le monde parce qu'aussi, c'est vraiment notre région qu'on demande finalement aux photographes de, de capter selon leur euh, ce qu'eux perçoivent finalement de ouais. mettre ça en image et je crois que chaque personne va retrouver euh, un endroit qu'il connaît ou, ou une autre façon de le voir. Oui. Puis, euh, c'est par l'interprétation que les gens vont en faire aussi. Nous, on a fait notre interprétation. Oui. Maintenant, c'est à, à la population à faire son interprétation de chaque photo pour évoquer euh, les beautés, finalement, de, de notre région. <laughs> Puis, quand, quand vous décidez du thème de votre prochaine exposition, comme là, c'est Beauté rurale ou, ou Transparence la prochaine, Combien de temps les, les artistes ont pour prendre leurs photos Normalement, on bénéficie d'un euh, 4 à 6 mois là, okay. pour euh, euh, emmagasiner nos photos, ouais. euh, puis faire notre sélection, puis ensuite... Euh, on envoie nos photos au comité d'exposition, si vous voulez. Ben Puis oui. euh, là, il y a l'impression qui se fait. Donc, on peut dire un, quatre à six mois à peu près pour okay. préparer notre thème. Puis là, euh... vous me disiez que cette exposition-là, beauté rurale, est quand même importante, est spéciale à tout le moins mmh. parce que euh, c'est votre première exposition depuis la pandémie, au fond. Oui, depuis la pandémie. On avait eu une première exposition à la chapelle de la grève à Saint-Denis oui. avant la pandémie. Euh, puis là, avec la pandémie, on a eu des expositions nu, euh, comme, virtuelles. Virtue, okay. OK. Bon, en présence, là, euh, on a recommencé là, cet automne. Euh, <laughs> à rivière-du-loup puis là on s'en vient de la Pocatia. Puis, puis l'exposition est à la bibliothèque donc j'assume que c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Oui c'est gratuit, c'est ouvert les mardis, oui les mardis et mercredis de 13h à 16h30, jeudi de 16h à 20h et les samedis de 10h à midi. Ce sont les heures d'ouverture de la mosaïque de la bibliothèque. Parfait. Puis, et c'est gratuit, effectivement. Puis, si on veut plus d'informations euh, sur l'exposition, je crois qu'on peut aller sur, sur la, la page Facebook de la salle d'exposition, donc de la mosaïque, ou sur la page Facebook de, de la ville de la Pocatia, directement. Euh... Oui, et sur la page Facebook du club. Le, le club, club Camlou. Le club photo Kamelou, oui, on Parfait. a une page Facebook. Oui. Camelou, on l'écrit K-A-M-L-O-U-P, c'est oui. bien ça? pour Kamouraska, rivière sud Kamelou. On, 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 on mélange les deux régions, en fait. Exactement. Là. OK. Exactement. Parfait. Puis, euh, justement, si on parle un peu plus du club, est-ce que vous voulez me faire un peu euh, rapidement son, son historique? C'est parti de où, ce club-là? Qui... Euh, le club a été créé en 2018. Oui. Euh, il a été créé par, euh, je vous dirais, des passionnés de, de la photographie euh, dans la région. Et euh, je voudrais peut-être mentionner que dans le club, les, les membres euh, ont différents niveaux d'expérience au niveau de la photographie. Okay. Ça regroupe des professionnels, des débutants amateurs, des ouais. intermédiaires amateurs avancés. Donc, on a... Euh, différentes catégories et ceux qui sont, si vous voulez, plus avancés mm -hmm. sont toujours euh, prêts et très gentils à conseiller euh, les débutants. Mm -hmm. ou... Alors, puis on a souvent des conférences pour améliorer, si vous voulez, nos, nos compétences, euh, des formations, des sorties à l'extérieur euh, pour euh, appliquer nos thèmes. Donc, là, exemple, cette semaine, on a eu une conférence sur euh, le noir et blanc en oui. photographie. Donc, euh, là, on pourra avoir une sortie euh, noir et blanc, finalement. Puis, euh, donc, ju juste n'importe qui, en fait, bien, tout le monde peut se joindre au club. Il suffit juste de, de vous écrire à, à votre adresse courriel pour prendre des informations. Oui. Euh, L'adresse courriel va apparaître en bas de l'écran pour les gens qui veulent, qui veulent la prendre en note. Puis, euh, sinon, on, on, on fait juste rappeler, en fait, que le, le vernissage, l'exposition, donc, va débuter le, le 8 février. De, à 17h jusqu'à 19h, dans le fond, à la mosaïque, la bibliothèque de la Pocatière. Euh, puis après ça, ça, ça va durer en fait jusqu'au 5 avril. Là, les, mardi Les mardis, mercredis, jeudis et, et les samedis, dans le fond, là, aux, aux heures que vous avez mentionnées plus tôt. Moi, j'aimerais savoir en, en, en terminant ou en finissant, euh, vous, comme, comme photographe, qu'est-ce qu que vous aimez prendre en photo puis quel endroit vous avez aimé découvrir pour cette exposition-là, mm. Beauté Rurale? Bon, euh, moi ce que j'aime prendre en photo, j'ai pas une, euh, un créneau spécifique. J'aime oui. beaucoup parce que notre région nous permet finalement hein, de on peut avoir des paysages, les couchers de soleil, oui. euh, euh, les gens, la, la, la flore. Euh, euh, là dans cette exposition là, je me suis amusé plutôt euh, cet été à photographier beaucoup de vaches. Okay. Alors ça fait moi j'ai une vache pas, dans pas pas celles qui se sont enfuies à saint zébert Non, non, non pas celles-là. Non, celle n'était pas, pas rendue ici. <laughs> non. Mais euh, bon, il y a différents thèmes qu'on ouais. peut explorer. Oui. OK. Super, puis puis vos thèmes à vous, vous le dites, vous êtes généraliste, mais mais est-ce qu'on peut savoir un peu ça a été quoi pour cette exposition-là euh, bien, j'ai une photo de paysage évidemment, oui. et euh, puis une photo animalière là, que je voulais parce bon. que je trouvais que ça caractérisait quand même bien notre région. Madame Dallaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis j'ai bien hâte d'aller voir l'exposition. Bon, C'est moi qui vous remercie, <laughs> merci. merci. Pour finir l'émission, on est avec Chantal Saint-Laurent, coordonnatrice du Tremplin de Dégely. Bonjour, bonjour Chantal, bon ça va bon bien? Bonjour. Oui, très bien, merci. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. C'est quoi ça, le Tremplin de Dégely? Le Tremplin. A comme mission de faire découvrir des artistes de la relève en chansons et en humour. À la base, c'est un concours pour des chanteurs et des humoristes, okay. mais c'est beaucoup plus qu'un concours. Ah oui? il ouais, y a plein de choses qui se joignent au tremplin. Donc, euh, mm. je suis là aujourd'hui pour vous donner toute l'information ce sujet-là. Super. Puis là, on est dans une période quand même importante pour le, pour le, le tremplin, en fait, parce que bon le sait que la prochaine édition, la 23e, va être au mois de mai. Oui. Euh, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour le tremplin? C'est la période d'inscription. Dans okay. le fond, pour réussir à produire le tremplin, ça nous prend des artistes de la relève qui s'inscrivent en vue de participer au concours en mai. Donc, on est en pleine période d'inscription jusqu'au 1er mars. Okay. Et donc, euh, les, les catégories, je pourrais commencer par nommer les catégories. Oui, dans le fond, oui. c'est euh, la catégorie des auteurs, compositeurs, interprètes âgés de 13 ans et plus. Ouais. On a les interprètes de 13-17 ans, les interprètes de 18 ans et plus, euh, les trampolines qu'on appelle, euh, enfin, un jeu de mots avec tremplin, donc oui. c'est les tout petits, les 12 ans <laughs> et moins, et aussi les humoristes de 13 ans et plus. Donc, le tremplin, il n'y a pas de limite d'âge, okay. ça, ça va juste selon des catégories, ouais. et il n'y a pas de limite de frontières. Donc si vous avez des auditeurs aujourd'hui euh, qui ont des amis à Montréal, en Gaspésie, peu importe, ou même outre-mer, on vous invite alors transmettre l'information qui peuvent s'inscrire au tremplin. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Puis, sinon, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes aussi dans le Kamouraska qui pourraient être intéressés. À Exactement. Aussi, donc, aujourd'hui, l'appel est lancé particulièrement aux artistes du Kamouraska à s'inscrire au tremplin. Donc, ça nous fera plaisir de recevoir vos candidatures. Et Une fois qu'on a reçu toutes les candidatures euh, avant le 1er mars, comme oui. je disais, euh, tout ça s'en va à un jury indépendant. Donc, voilà. la, la façon de faire, c'est d'envoyer des vidéos, mais je ne voudrais pas entrer dans les détails trop pour la façon de faire parce que tout est indiqué au festivalletremplin.com. Puis, c'est différent d catégorie à l'autre. Je ne voudrais pas mélanger les gens, donc j'aimerais mieux que les gens se rendent sur notre site Internet selon la catégorie qui les concerne. Mais en résumé, c'est peu importe, chanteur ou humoriste, vous envoyez des vidéos de votre prestation, une photo de vous, une courte biographie, et vous nous faites parvenir ça par l'entremise d'un drive, et nous, on envoie ça à un jury indépendant à l'extérieur de nous, puis eux font la sélection des 30 artistes qui vont faire le concours. C'est 30 artistes en tout et partout. En tout et partout, okay. c'est ça exactement, qui vont faire le concours en mai. Fait que ces artistes par catégorie au fond. Euh, oui, dans le fond, c'est six pour les catégories chansons, huit pour la catégorie humour okay. et quatre pour la catégorie trampoline, ah. qui auront la chance de performer en mai sur la grande scène du tremplin, accompagnés de cinq musiciens professionnels. Oui. Donc ça, c'est important. Ce c'est pas des trames sonores où oui. vous n'amenez pas euh, ben, l'attente longue pour vous, vous accompagner au piano. On a vraiment euh, un orchestre formé de cinq musiciens professionnels qui sont là pour accompagner nos artistes. Et pas pour les vanter, mais c'est les meilleurs. Bien évidemment. Ensuite, il y a, <laughs> ensuite, y a une, une merveilleuse équipe technique en sonorisation, éclairage et captation vidéo aussi qui sont là, là pour mettre en lumière les talents des artistes. Et une directrice artistique euh, qui s'appelle Sylvie Desgroseilliers. Peut-être que des gens l'ont déjà vue euh, aussi euh, à l'émission La Voix. Donc c'est elle qui est là toute la semaine pour accompagner les artistes dans leurs performances. Puis le tremplin aussi, vous avez des porte-paroles, deux oui. porte-paroles. Oui, cette année, le porte-parole et l'animateur, c'est Jean-François Barry, que oui. euh, tout le monde connaît euh, oui. l'animation, et aussi euh, le charmant Ludovic Bourgeois, qui est notre artiste invité, qui sera là pour aussi accompagner les artistes. Et Ces deux professionnels-là aussi, oui, ont comme mandat de, de promouvoir le tremplin, mais ils ont comme mandat aussi d'accompagner nos artistes quand ils se présentent sur scène, parce que c'est un stress. Je ne veux, je veux pas oui. se présenter devant 500 personnes. Euh, il y en a des fois qui n'ont jamais chanté avec un orchestre professionnel, donc c'est un stress. Donc ces gens-là sont vraiment là aussi pour mettre en confiance nos artistes. Puis, puis le tremplin, c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes très, très talentueux qui ont passé. Dans... Oui, au fil des années, on a 23 ans, donc depuis le l'an 1, il y a de plus en plus d'artistes qui sont connus maintenant qui ont fait un passage au tremplin. nomment Sam Breton, Philippe Laprise, André Sauvé n'a jamais oui. fait d'autres concours. Il a fait le tremplin, concours de circonstances, et Judy Richards, qui est notre porte-parole cette année-là, le cinquième tremplin, oui. elle voit André Sauvé sur scène, elle l'appelle... Ils, Ils vont dans des les champs, champs évidemment. évidemment. Elle dit, il faut que tu viennes m'enjoindre à Desjelys. Il y a une bébête rare <laughs> ici. Il faut que tu viennes découvrir cet artiste-là. Ils vont et là, il est couronné lauréat. Ils vont il transmettre les coordonnées de son agent. Wow. Et c'est de même que c'est parti. Donc, euh, c'est pour dire que c'est faisable. Au niveau de la chanson, il y a Yama Laurent, Claude Pelgag, Sophie Pelletier qui est originaire euh, de la région aussi, Amélie euh, oui. Veil, donc euh, Ingrid Saint-Pierre qui a participé au Tremplin. Donc, il y en a plein comme ça maintenant. Mais nous, on promet pas une carrière instantanée. Mm. Ce qu'on promet, c'est de remplir le sac à dos, le coffre à outils des artistes. Pa parce que le Tremplin. C'est pas juste un concours en réalité, c'est aussi une semaine complète de travail, de travail et d'apprentissage. Exactement. Donc du 15 au 21 mai prochain, 2023, oui. euh, les artistes passent la semaine avec nous à Desjlis et ils reçoivent des formations durant toute la semaine. Donc des formations en technique de scène, en technique vocale, comment se bâtir un répertoire de chansons. Oui. Et pour les auteurs, ben comment composer, finir... Mais souvent, des auteurs Mais ben, j'ai une chanson, je suis pas sûre comment je pourrais l'amener. Ben là, les formateurs sont là pour, pour les aider. Donc, comme je dis, souvent, des gens font, oui, j'aimerais ça participer au tremplin, mais ouais. je veux pas faire ça de ma vie, nécessairement, mais <laughs> je trippe musique, puis je, je trippe sur les rencontres. C'est le moment idéal, parce que on ne promet pas après, on ne sait pas. Ça peut arriver que le lendemain matin, il se passe comme ce qui s'est passé pour André Sauvé. Peut-être. Peut-être, mais nous, ce qu'on promet, c'est vraiment de remplir le coffre à outils de, de formation, de rencontres, d'échanges, d'expériences, d'amitiés. Donc, c'est tout ce qu'on promet. Parce que c'est des formations avec des professionnels du milieu, puis c'est des rencontres avec des professionnels du milieu oui, aussi. Oui, oui, avec euh, il y a Isabelle Cyr, qui va être formatrice oui. pour ceux qui nous écoutent, qui était comédienne dans Chambre-en-Ville. Ben oui. euh, Marc Derry, euh, Yves Marchand, qui sont du groupe euh, Zibulon. Oui. Et au niveau de l'humour, il y a Frank Grenier, donc, euh, qui, qui est très connu dans le milieu artistique euh, ben oui. au niveau de l'humour. Oui. Donc, eux sont avec nous à des durant toute la semaine, puis ils sont vraiment généreux. Des fois, il y a des formations en groupe, des formations individuelles, puis des fois, juste échanger, puis. Ils vont mettre le doigt sur quelque chose qui va faire allumer encore plus la flamme artistique. Donc, y a, y a, c'est plein de belles rencontres comme ça. Puis, étant donné que les artistes sont tous ensemble, durant cette semaine-là, ils se tissent des liens et souvent des duos ou des, des trios sont nés ou des collaborations sont nées oui. entre nos artistes aussi. Puis là, en, en finissant pour quelqu'un que ça intéresserait, soit, soit de s'inscrire ou soit justement d'aller voir le festival, d'aller oui. voir le spectacle, comment on fait? Donc, pour s'inscrire, c'est festivalletremplin.com. Oui. Là, nous sommes en, en, en période de promotion jusqu'au 14 février. Oui. Ça coûte 60$ pour s'inscrire. Après la Saint-Valentin, ça va en coûter 85 jusqu'au 1er mars. Donc, l'important, c'est la date quand même du 1er mars. Oui. C'est ça, c'est simple. Mais moi, je dirais aux artistes, inscrivez-vous tout de suite pour vous donner du temps pour oui. préparer votre vidéo. Attendez pas au 1er mars au soir pour vous ben, filmer. Là. Parce que <laughs> je peux, je peux, je peux m'inscrire et pas déposer mon vidéo Exactement. tout de suite. Exactement, c'est okay. ça. Vous remplissez le formulaire d'inscription. C'est juste nom, prénom. Vous faites ouais. le paiement. Après ça, vous allez recevoir un courriel qui dit tout le matériel à fournir parce qu'on s'entend. Si vous attendez à la dernière minute puis cette journée-là, vous êtes malade ou en hein, <laughs> filez moins, moins bien, vous risquez d'être obligé commencer la vidéo souvent et là vous allez être stressé. Donc moi je vous dirais, mettez toutes les chances de votre côté, commencez tout de suite à faire des quelques captations, puis la, quand vous aurez la bonne version, vous nous acheminez ça. C'est comme je vous dis avant le 1er mars. Et pour ceux qui sont intéressés à venir nous découvrir en mai prochain, oui. donc du 15 au 21 mai 2023, ça nous fera plaisir d'accueillir des spectateurs du Grand Camarasca à Desjis pendant nos spectacles. Parce qu'il n'y aura pas juste le concours, il y a aussi plein d'autres événements oui, durant toute la semaine. exactement. Durant toute la semaine, on rencontre les élèves du centre de service scolaire du fleuve et des lacs. On va se promener dans chaque école avec des anciens artistes qui ont fait le tremplin. Donc, okay. ils viennent toute la semaine. On rencontre les élèves. On rencontre aussi des résidents dans des, des résidences de personnes âgées. Ouais. Euh, on fait des cinq à six, des pique-niques et des midis chantants. Donc, c'est tout le Témiscouata qui s'anime pendant une semaine. <laughs> il y en a pour tous les tous goûts. Tous les goûts, font... <laughs> effectivement. Ben, Chantal, merci beaucoup ben, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Euh, écoute, euh, on… Ça ça donne le goût de chanter oui, C'est Exactement, <laughs> c'est ça. On va aller écrire un numéro <laughs> <tout> dessus. <suite. rire> Écoute, ben, euh, merci de ta présence. Puis, euh, n'hésitez pas à aller vous inscrire, tout le monde, puis aller visiter le site web en de... Super. Eh bien, c'est tout pour cette semaine pour InfoCam Extra. Merci tout le monde d'avoir été là. Juste vous dire, à partir des prochaines semaines, le format d'émission va un petit peu changer. C'est-à-dire qu'avec un, on a un partenariat avec le cégep de la Pocatière, des étudiants à l'option média vont venir et, et prendre en charge l'émission pour donner leur couleur, leur touche, leur univers à eux. Euh, on, on est très contents de ça. Puis euh, on espère que vous aussi, vous allez aimer ça public. Donc, euh, n'hésitez pas à, à continuer à écouter l'émission. On, on est bien fiers. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne journée. La tête à <laughs> je vais chercher le sens de ma vie comment De même, en regardant au ciel, non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.